Bon voilà les gars, on se retrouve sur le logiciel de montage. Donc là j'ai tous mes fichiers GoPro, donc j'ai tourné en 2,7K à 50 images secondes. Alors je vais prendre mon dossier complet. Hop, je vais glisser. Donc voilà, là j'ai ma séquence en 2,7K à 50 images secondes directement. Je vais mettre mon son avec. J'ai pris la vidéo avec. C'est pas grave, CTRL L. Hop. Donc voilà, pour le son, je me suis pas pris trop la tête, hein. J'ai pris un son qui part un peu doux au début, après qui monte un petit peu. Dans un premier temps, on va commencer par trier. Alors, il y a beaucoup de vidéos là, ça c'est les vidéos du raso. Je vais prendre juste quelques morceaux du raso, vraiment 2-3 images. Ensuite, je prendrai tout ce qui est les belles images que j'ai fait, voilà, avec le soleil. J'en ai fait en moto, donc voilà, je vais prendre que les images, je vais vraiment trier ce qui m'intéresse le plus. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai repris. Donc là, tout ça c'est des trucs du raso. Donc j'ai vraiment pris qu'un tout petit morceau. Tout ça je vais pas trier parce que enfin j'ai filmé pas mal de plans et ils sont tous à peu près exploitables. Donc je vais voir selon le son en fait, je vais m'adapter directement et on va voir ce que je fais. Donc je vais écouter le début et j'ai déjà mon idée en fait. Donc sur les 15 premières secondes, je vais essayer de mettre tout ce qui est soleil, des trucs comme ça, assez calme, sur des ralentis. Et après, on partira un petit peu plus sur des images où je roule. Celui-là, il est pas dégueulasse, ce plan-là. X. On va prendre ce plan-là pour ouvrir. La vidéo, il est pas dégueulasse. Là. Là, on a notre premier plan. Donc là, on va jouer sur le son en fait. Donc là, voilà, on a notre premier plan. Et ensuite, on va couper sur la musique en fait. À chaque fois, là, vous voyez, on a des points. Bam, ici, 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 ici. Et là, on a des points. Et sur ces points, à chaque fois, en fait, je vais couper. Je vais couper l'image et je vais changer de plan. Donc là, on va commencer sur un plan comme ça au début. On va peut-être le ralentir, on verra après ça. Et voilà, on va enchaîner quelques plans et je vous montre ça. Il n'y a rien de particulier là, hein. J'enchaîne mes plans, je prends les plus beaux avec des moments calmes comme le soleil et tout. Et après voilà. Alors là sur le second plan, je vais tenter un truc. Donc là on arrive là. Là j'ai un autre plan avec le soleil, il sera sûrement ralenti. Et en fait toute cette partie, je vais l'accélérer. Hop. Pour arriver ici sur un ralenti de la moto. Donc là on va faire CTRL R, on va le mettre à 1000, même plus je pense. 1000 c'est trop long. Ouais voilà, on va le mettre à 3000. CTRL R, 4000. C'est pas joli, c'est pas joli. Accélère encore. Peut-être un peu trop, je vais le mettre à 8000 avec propagation pour qu'il décale toute ma tout ce qui est derrière. Moi, j'aime bien, ça passe, c'est original. Voilà, là je sais que j'ai fait un gros plan sur le pot d'échappement, voilà, je m'en souviens. Donc du coup, je vais partir directement sur un gros plan du pot d'échappement. Voilà, comme ça, je vais prendre ça. Hop, je vais mettre là, et ça donne ça. Il n'est pas pris au bon moment. Hop. Vous voyez là, ça bouge pas mal.
Ça va encore, mais ça bouge. Et en fait, du coup, c'est pour ça que j'ai pris en 50 images secondes. Comme ça, je peux tout ralentir mes plans. Ce qui fait que ça diminue l'effet. Voilà, ça bouge beaucoup moins. Quand vous n'avez pas de stabilisateur, franchement, ralentissez vos plans. Alors, sauf si vraiment ça va pas au niveau de la vidéo. Si, genre, vous mettez un gros rap et tout, vous pouvez pas ralentir l'image. Sinon, ça colle pas avec le son. Mais sinon, si vous voulez faire avec un son calme. Ralentissez vos images, franchement ça sera le mieux. Là je filme en 50 images secondes, ça me permet de ralentir 50% en fait, pour arriver à 25 images secondes. Si je ralentis trop après, ça va saccader, ça va être dégueulasse. Je sais pas pourquoi j'ai voulu caler ça, mais j'ai envie de le caler. Là on va juste rezoomer un peu parce que en fait l'horizon est pas très droit. Donc en fait je vais faire un zoom à 110 et ensuite je vais faire une légère rotation. Comme ça, et là on a quelque chose d'à peu près droit. Là, ça doit être droit. Encore un peu. Après, on s'en fout d'en haut parce qu'il y aura des bandes noires, donc c'est pas grave. Bon, voilà, là on arrive à ça. Donc là on a quelques plans avec le soleil, la moto, des accélérés, des ralentis. Voilà, encore le soleil. Encore de la moto. Là j'ai placé un petit wheeling. Là aussi. Là un petit plan avec Just Enduro. Toujours ralenti. Là on va accélérer un petit peu et après je vais arrêter la vidéo sur 1 minute. Bon alors là je me sens bien de passer une transition comme ça en fait. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait avec le poteau en fait changer d'image. Par contre je la veux en inverser parce que je veux le soleil en fait. Donc voilà, on inverse la vitesse. Donc en fait ça fait comme si la vidéo était à l'envers. Voilà. Et là, en fait, ici, à droite, au niveau du poteau, en fait, je vais changer l'image pour que ça passe sur un wheeling. Comme ça. Hop, 50%. Et donc, que ça donne ça. Alors, à partir de là. Voilà, donc là on va dans les effets, on va faire un masque. Hop, on va faire ça, on va se mettre à 10. Hop, comme ça. Et on va faire la transition comme ça. Alors, donc là, on a notre tracé du masque, donc sur cette image, ce qui nous donne. Donc là, on va mettre. Hop, on va activer les clés. On va avancer image par image. Quoique peut-être un petit peu plus. Ouais, vu que c'est assez droit, on peut se permettre de ne pas être trop trop précis. Ça se verra pas trop. Normalement. Voilà, c'est vraiment une vidéo simple, hein. Je vais pas rentrer dans les détails. Alors là par contre on reste bien sur le premier trait du début, on passe pas sur le deuxième sinon ça va se voir, ça va faire un effet bizarre. Ah oui là du coup ça va vite. Alors attendez. Là. Voilà. Voilà, bon ça bug un peu. Ça m'a l'air pas trop dégueulasse. On va juste retoucher à l'expansion du masque. Généralement, je mets 10. Les contours progressifs pour éviter que ça fasse trop sec. Je vais mettre 30. 30. On a un léger contour progressif. Faut pas qu'il y en ait trop non plus. Mais 40. Expansion du masque. On va l'augmenter, on va mettre 20.
Et voilà, ça fera un poil plus naturel, je pense. Voilà. Voilà, on arrive à avoir l'image. Voilà, ici on arrive à avoir quelque chose d'un peu plus naturel. On n'a pas de coupure sèche avec du noir par exemple. Voilà, là on a quelque chose d'assez propre. Voilà. Alors c'est vraiment pour vous faire voir, hein. Franchement la transition elle est pas ouf. Normalement il faudrait faire ça avec un beau plan stabilisé. Là voilà, je suis parti sur un truc carrément avec un wheeling, mais c'est vraiment juste pour vous faire voir. Bon voilà, là j'ai terminé le montage de ma vidéo. Donc maintenant, voilà, donc là elle dure 1 minute 40. Voilà, je l'ai fait terminer sur le son en fait. On a mis un petit gendarme à la fin, voilà, pour. Parce qu'ils nous ont bien cassé les couilles. Donc voilà. Donc maintenant, voilà, on va attaquer la partie un petit peu plus intéressante. Enfin, moi, c'est ce que je préfère. C'est les retouches. Parce que, je sais pas, c'est ce que je préfère. Donc voilà, moi, je fais jamais les retouches sur les vidéos. Je fais toujours toutes les retouches sur un calque. Donc, on va commencer par recadrer. On va mettre les bandes noires. Hop, donc recadrage. Hop, pour les bandes noires en haut, c'est 12-2. Moi, je mets 12, hein, mais normalement, c'est 12-2. Hop, et 12 en bas. Donc, on va commencer par recadrer toutes les images. Donc, en hauteur. Des fois, on va zoomer quand il y aura besoin. Là, c'est bon, il n'y a pas trop besoin. Là, c'est bien cadré. Vous voyez déjà la différence? La grosse différence que ça fait? Juste ça. Ça change vraiment beaucoup. Donc ça, là, ça va. Je suis bien cadré. Là aussi. Là, je vais peut-être remonter un tout petit peu. Alors là, par contre, je suis en 2,7K. Je suis pas en full HD. Là, on va remonter, voilà. Là, je vais redescendre un petit peu. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Limite, elle, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire monter en douceur. On va partir du plus bas. Hop. Et on va la faire monter au plus haut. Là. Ça va donner un petit effet. On va faire une petite transition fondue. On va remonter un petit peu. Voilà, là on a déjà quelque chose d'un peu plus joli. Tout ce qui est réglage GoPro, je vous marquerai tout en description. Juste comme ça pour vous dire, là j'ai tourné en flat. Ça veut dire que vous voyez, les couleurs sont très plates. Ce qui me permet moi de retoucher un peu comme je veux. En général, moi je retouche pas énormément. Je remets juste du contraste. Donc voilà. Alors là par contre, on va remettre en intégrale pour avoir la vraie qualité. Voilà, on remet du contraste. En général, je mets dans les 20 de contraste et je remets de la saturation. Alors, pas trop, j'en mets pas trop si je veux garder un truc à 120, on est bien. Je mets un petit peu de contraste. En général, je touche pas trop au ton ici. Après, je vais directement sur les roues chromatiques. Et là, voilà. Alors, en général, je descends un peu plus mes noirs. Pas trop, faut pas que ça se fasse, faut pas que ça soit trop dégueulasse. Il faut toujours regarder ça. Parce que votre écran, en fait, il veut rien dire. Votre écran, d'un écran à un autre, on va avoir une différence. Donc faut vraiment regarder ça et éviter de descendre trop bas. Et, si vous descendez trop bas, en fait, vous perdez les informations. Donc faut pas trop en mettre. On en met un petit peu. Et là, après, si vous voulez jouer sur les couleurs, vous pouvez jouer sur les teintes. Donc ça, c'est les tons foncés, les tons clairs. En général, quand je veux un joli coucher de soleil, j'augmente mes jaunes sur mes tons clairs. Bon, là, c'est l'extrême, hein, mais j'augmente un petit peu mes jaunes sur les tons clairs. Donc voilà. Là, comme on a des plans un petit peu coucher de soleil, un petit peu en bécane,
Là, c'était l'après-midi avec Just Enduro. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais étalonner pour les couchers de soleil, et ensuite je couperai les parties que je veux pas qu'ils soient étalonnées de cette manière-là. Donc voilà. Donc là, je vais mettre un petit peu plus de jaune, descendre, mais descendre un petit peu mes tons moyens, mes tons foncés, sans trop. Là, on est bien dans le jaune orangé. Et voilà ce que ça donne un avant-après. Voilà, avant-après. Donc voilà, on a quelque chose de beaucoup plus joli. Là, ici, dans les noirs, on était très clair. On est redescendu un petit peu dans les noirs. On pourrait encore y aller, mais après, j'aime pas trop. Donc, après, c'est vraiment une question de goût. Je suis pas étalonneur. J'ai vraiment appris tout seul. Voilà. Là, on a quelque chose assez joli aussi. Alors là, par contre, c'est trop jaune à mon goût, hein. À mon goût, c'est trop jaune parce que déjà le soleil était très jaune sur ce plan. Donc voilà, sur ce plan, voilà, je vais diminuer un peu le jaune. Et là, on garde un truc assez naturel. Sur cette partie-là et celle-là, on garde un étalonnage sur les couchers de soleil. Quelque chose d'un peu jaune et pas trop foncé au niveau des noirs. Sinon, on a trop de différence. Là, sur tout le reste, je vais garder un peu de jaune quand même. Mais moins. Je vais garder un petit peu de jaune, mais beaucoup moins. Je vais descendre les clairs. Les teintes claires. Du coup, il y a beaucoup de. Je vais descendre un petit peu. Et je vais un peu plus foncer mes noirs. Le fait d'avoir élevé les contrastes, quand on élève les contrastes, en fait, vous voyez, les couleurs sont beaucoup plus vives. Et du coup, le fait d'avoir augmenté les contrastes plus diminué les noirs, en fait, on se retrouve avec une saturation qui est devenue plus naturelle, en fait. Si on reste à 120 ou à 130, je trouve que voilà, l'herbe là, elle est pas du tout naturelle. On dirait qu'on est en plein été. Donc voilà, on laisse à 100. Voilà, on a perdu un petit peu en saturation. Mais on garde quelque chose d'assez joli et naturel. Après, ça, c'est vraiment une question de goût, hein, vraiment. Après, ce qu'il faut regarder surtout, c'est que tout s'harmonise. Parce qu'on n'a pas à filmer à la même heure, au même endroit. Donc, il faut vraiment regarder que tout s'harmonise à peu près. Qu'on n'ait pas des plans hyper saturés et d'autres pas trop saturés. Voilà, au début aussi. Alors, au début, écoutez. On a un son qui s'élève de plus en plus. Et en fait, sur ce son-là, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait mettre les bandes noires qui vont venir s'ouvrir. Donc là, en fait, on met des clés. Donc voilà. Et là, en fait, ici, je vais mettre 50. Et en bas, 50. Et ils vont s'ouvrir toutes seules. Jusqu'ici. Au début, tout au début, je vais rajouter des petits oiseaux avec un peu de vent. Ça va mettre une petite ambiance parce que là, on voit qu'il y a du vent, mais voilà. On voit qu'il y a du vent, de la forêt et tout, mais c'est un peu mort. Il n'y a que de la musique. J'aimerais bien mettre un petit son d'ambiance, donc je vais mettre un peu d'oiseaux et de vent. Voilà, donc là, on a un bruit de vent, d'eau, je crois que c'est un bruitage d'eau calme. Donc voilà, on va garder ça et ça. On va les mettre là. Donc ça, c'est l'eau avec le vent. Donc là, on va faire un fondu pour que ça soit pas trop violent. Hop. Pour que ça arrive en même temps un peu que ça. Voilà. On n'est pas trop mal. Je vais baisser un tout petit peu le son. Je vais mettre moins 5 décibels. C'est vraiment pour donner une ambiance. Il faut pas qu'on entende trop trop le son. C'est vraiment une ambiance. Ça change vraiment. Ça donne vraiment un son d'ambiance. Vraiment. Ah, c'est sympa. Donc voilà. Je rajoute ça et puis voilà, c'est fini.
Là, le but de la vidéo, c'était vraiment pas de faire un truc de fou, c'était vraiment de vous montrer que on peut faire une vidéo de qualité avec une simple GoPro. Donc on passe à l'encodage. Alors, exportation du média. Alors, donc je vous montre sur Premiere Pro et je vous montre ce que moi je fais. Je sais qu'il y a beaucoup de logiciels où ce ne sera pas possible d'enregistrer en H.264, par exemple. La plupart des logiciels qui enregistrent en H.265 ou H.265, le problème c'est qu'ils sont payants. Et je sais que la plupart d'entre vous utilisent des logiciels non payants. Mais voilà, après je peux rien y faire pour vous. Donc voilà, moi j'utilise correspondance à la source en débit élevé. Et ensuite j'adapte mon débit. Donc en fait là j'ai ma séquence d'entrée en fait. Donc à 50 images secondes et tout blabla. Et en fait je vais pas l'encoder d'une manière différente. Je vais juste cocher ce que je veux. Donc rendu à la résolution maximale. Deux passages. Et là en fait c'est mon débit. Alors le débit en fait si vous voulez. Regardez. Là, si je laisse un petit débit, je vais mettre un débit de 10, mon fichier va faire 1,6 giga. Si je mets un débit de 50, mon fichier va faire 7 Go. Donc déjà, c'est pas du tout la même qualité. Donc en fait, on a un fichier qui est 7 fois plus lourd. Donc qui est vraiment de meilleure qualité. Et moi, ce que je fais en généralement, c'est que je mets un gros débit, ce qui me permet d'avoir une grosse qualité. Parce que si tu as fait un montage pendant 4 heures, et qu'au final tu te retrouves avec un encodage pourri, ta vidéo elle est moche. Donc ça sert à rien, je préfère avoir une grosse vidéo plutôt que qu'avoir travaillé pour rien. Donc là celle-là elle sera très très lourde. Je pense que je vais même mettre du 60 à 100 et voilà. Voilà, on a une vidéo de presque 10 gigas. Donc ça va être très 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 lourd, mais bon, je m'en fous. Bon, voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura aidé quelques-uns d'entre vous. Donc voilà, allez à la prochaine. Ciao.